Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je suis très content parce que c'est le dernier jour. Le dernier jour de mes une vidéo par jour pendant le mois d'août. Bon, j'ai pas vraiment fait tout le mois d'août parce que j'ai commencé le 5 ou le 6, il me semble, à mettre un petit post où j'ai dit que je voulais bien faire une vidéo par jour. Où vous étiez très content d'ailleurs. J'ai reçu plein de j'aime et des commentaires par rapport à ce post. Merci beaucoup. Là, c'est le dernier jour, donc ça va être le bilan de tout ça. Je vais te dire un peu les statistiques et aussi ce qui va se passer, ce que tu vas voir par la suite sur ma chaîne. Tout d'abord, je vais te dire de t'abonner à la chaîne, c'est pas fait. Parce que dans mes stats, je vois qu'il y a 56% des personnes qui regardent mes vidéos, ils ne sont pas abonnés. Donc, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Ça permet d'aider un petit YouTuber qui fait de la qualité et qui n'a pas besoin de faire des feats inutiles pour monter. C'est important. Bon, au niveau des stats, alors ce mois d'août, c'était le meilleur mois que j'ai fait en termes de stats, en termes de productivité, en termes de vues, en termes d'abonnés, sauf en argent, malheureusement, mais je te dirai pourquoi. Mais c'était mon meilleur mois. En termes de vues, on a plus de 100 000 vues sur la chaîne au mois d'août. C'est incroyable, sachant que mon meilleur mois en vues, c'était 60 000 vues. C'est incroyable. Là, on a fait 100 000 vues. C'est un délire. 107, 108 par là. En termes d'abonnés, on s'approche des 1 000 abonnés. C'est un truc de fou. Ça veut dire que j'ai dû faire. J'ai vu, j'étais dans les 940, 950. Sachant que là, on est le 31, donc je gagne encore des abonnés. Donc peut-être qu'on va s'approcher des 980 et tout. Mais ça fait vraiment plaisir. Mon meilleur mois en abonnés. C'était 700 abonnés en un mois. Et là, on approche des 1 000, donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Mais faut continuer à s'abonner, hein, d'accord? C'est pas parce que là c'est très bien, il faut continuer, d'accord? Faut aider à monter la petite chaîne. À partir de 100K, j'arrête de parler, c'est bon, c'est fini. Vous ferez ce que vous voulez, mais là, faut s'abonner, c'est important. En termes de sous, eh ben, on a fait un petit peu moins que ce qu'on fait de base. Même si qu'on a fait beaucoup plus de vues, on a gagné des abonnés, watch time intéressant partout et tout. Ben le problème c'est que au mois d'août, c'est le mois, enfin juillet-août, c'est les mois où il y a moins d'annonceurs, c'est les mois où c'est pas intéressant de mettre des pubs et c'est les mois où ça paye le moins, clairement. C'est pour ça que tous tes youtubeurs préférés, ben ils partent en vacances. Les gros youtubeurs ils partent en vacances parce que c'est pas productif pour eux, d'accord? Ils savent très bien qu'en novembre-décembre, ils vont rattraper le coup, donc ils partent en vacances. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, c'est une période sur YouTube où il n'y a pas beaucoup de YouTubeurs, donc moi, je vais venir et je vais faire une vidéo par jour. Dans la période la moins productive de YouTube, lucrativement parlant. Mais franchement, je suis content. Et au niveau des sous, si tu veux un chiffre, j'ai fait 130 $, d'accord? Ça doit faire 129 €, 128 €, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est déjà bien, c'est déjà très bien, on va pas cracher dessus. Et je suis content par rapport à ça. En tout cas, je serais content de la force des commentaires et du soutien que tu me donnes tous les jours. Parce que là, tous les jours, bah, j'avais droit à du soutien, j'avais droit à des remerciements. Merci beaucoup, ça me donnait de la force. Notamment quand j'étais un peu fatigué, quand c'était compliqué. Voilà, parce que c'est pas facile, hein. Une vidéo par jour, c'est pas facile, c'est très très dur. Je l'ai fait l'année dernière. Pendant 3 mois, il me semble, mais c'est compliqué, d'accord? C'est vraiment compliqué. Faut juste en donner les moyens et faire les choses bien. C'est important. Maintenant, niveau projet, ce qui va venir et ce que tu vas voir durant le mois de septembre, parce que c'est important. Moi, je me projette toujours mois en mois, tu vois. En septembre, ben, il y a ma prise de masse. Je vais tout donner, d'accord? Au niveau de mes programmes, comme la vidéo précédente, comme je l'ai dit. Eh ben, j'ai 12 programmes à faire, d'accord? Peut-être un peu plus. 12 programmes prise de masse en salle, d'accord? Je vais les faire, je vais les tourner, je vais les monter et je vais t'expliquer comment je vais faire. Comme je t'ai dit, des programmes split, programme PPL, upper lower, full body. Il y aura ça, d'accord? Que je vais te détailler et t'expliquer. Ensuite, je vais réfléchir à un nouveau concept, d'accord? Enfin, avant ça, du moins, je te ferai tes programmes maison aux haltères, d'accord? C'est important, notamment au niveau des bras. Comme des frérots m'ont dit dans les commentaires, je le ferai, c'est important.
Et ensuite, on va réfléchir à un nouveau concept sur la chaîne. Et quand je dis un nouveau concept sur la chaîne, c'est pas en mode on va arrêter la muscu, on va faire du gaming et tout. Non, on va rester dans la muscu, on va rester dans ce qu'on sait faire de mieux. Mais il faut que je trouve un thème de vidéo, un peu comme des vlogs ou un peu comme une immersion où je te montre ce que je mange et tout, je t'accompagne dans ma journée, je sais pas. Mais il faut que je trouve un thème comme ça, histoire que ma chaîne ne soit pas trop répétitive, tu vois. Parce que là, dans tout ce que je fais, j'ai plus de 500 vidéos. D'ailleurs, j'ai mis un post et merci pour vos commentaires et vos messages. Dans mes 500 vidéos, bah, c'est très répétitif, tu vois. J'ai pratiquement tout le temps la même chose que des programmes, je te montre ce que je fais. Je sais qu'il y a une période où on a beaucoup parlé un peu de tout et de rien, un peu de thème et tout. Je vais peut-être revenir vers ça parce que ça, c'était bien ça. S'il y avait des questions un peu perso et tout, j'en parle. Mais je vais voir si je ne vais pas m'orienter vers du vlogging ou d'immersion dans ma vie, dans ce que je fais, dans mes journées, ou peut-être mon travail de vidéaste. Voilà, ça peut être intéressant. Mais pas rester que dans la muscu, que dans ça, que dans... Je suis là, je te parle de ma séance, je te dis ce que j'ai fait, je te dis quel entraînement j'ai fait. Parce que clairement, je pars dans une prise de masse. Mes entraînements vont se ressembler. Je vais tout le temps faire la même chose. Et si je te montre tout le temps la même chose à chaque fois, ben, ça sera pas intéressant pour toi. Donc, je réfléchirai à ça. Si tu as des idées, si tu veux voir des trucs que j'ai envie de faire ou des sujets que j'ai envie de parler, les commentaires sont la bienvenue. Parce que, je rappelle, il y a plein de concepts de vidéos qui sortent sur YouTube, sur ma chaîne, grâce à vos commentaires. D'accord ? Donc, voilà. Je vais voir comment je vais faire, comment je vais appliquer ça. Mais pour moi, c'est important. Parce que pour faire grossir la chaîne, pour améliorer mon contenu, il n'y a rien de mieux que de créer la diversité. D'accord ? Sinon, bah, ça sera toujours la même chose. Certes, la qualité sera belle, sera jolie, mais ce sera la même chose. D'accord ? Il faut qu'il y ait une petite surprise quand tu vois la notif que Dame s'est sorti une vidéo. Faut pas que tu te dises, ah, c'est encore un programme, ou ah, c'est encore la même chose, ou ah, c'est encore un programme qu'il a déjà fait. Tu vois, voilà. Donc, je vais réfléchir fort par rapport à ça. Aussi, si je peux te partager une bonne nouvelle, il y a une salle de sport qui m'a fait confiance, d'accord ? Je te montrerai la salle, ok ? Je te montrerai la salle. C'est un beau concept, franchement, c'est super beau, c'est magnifique dedans. Où je pourrais faire des vidéos, normalement, même le soir. Donc, peut-être que je pourrais te faire des trainings avec moi, tranquillement. À voir, d'accord ? À voir, c'est vraiment intéressant. Et je vais vraiment déjà apprivoiser la salle, essayer de filmer, faire du contenu parce que c'est plus petit qu'un on air de base. Donc voilà, faut vraiment que je vois comment je peux faire mes plans, comment je peux filmer, histoire de te proposer du beau contenu. Donc normalement, je pourrais bientôt te faire des programmes en salle avec moi, d'accord, entier. Et ça, c'est bien. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés dans leur séance, dans leur programme, on pourra bientôt le faire ensemble. Sachant que c'était l'un de mes objectifs ultimes, dans le sens où, voilà, je voulais soit me faire un home gym de fou, et on fait les séances ensemble et tout, soit, voilà, avoir l'accès à une salle et te faire ça ensemble, ok ? Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle et je suis content. Et je sais qu'on m'a posé une question et je te cache pas, j'y réfléchis. On m'a dit, est-ce qu'il y aura une vidéo par jour au mois de septembre ? D'accord ? Parce que voilà, le mois de septembre, il commence, c'est la rentrée et tout. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais et j'ai envie de le faire. D'accord ? J'ai envie de le faire, mais je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos, mais qu'il n'y aura pas une vidéo par jour, tu vois. Parce que voilà, faut que je laisse un peu YouTube se reposer, parce que j'ai trop de messages tout le temps, faut que je prenne le temps de répondre et tout. Mais je vais voir. D'accord, je vais voir. En tout cas, il y aura beaucoup de vidéos, mais il n'y aura pas 5 vidéos pendant le mois. Même si que je pars 10 jours en vacances pendant ce mois de septembre, ça va me faire du bien d'ailleurs. Mais mes vacances, je ne pense pas qu'elles vont se sentir. Ok ? Parce que je vais prévoir le coup à chaque fois. Et il y aura des vidéos prévues. Déjà, les 12 vidéos programme, normalement, tout sortira en septembre. Ok ? Je ne vais pas scinder en deux. Je vais finir rapidement avec ça. Parce que mes programmes, je ne vais pas prendre mes vraies charges, d'accord ? Je vais te faire des programmes maquettes, juste le léger, mais je vais te montrer ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire, et je vais bien t'expliquer ça. Et puis, voilà, voir si je peux faire d'autres thèmes de vidéos, et on sera cool.
Et c'est à partir du mois d'octobre, je pense que je vais réfléchir à un autre concept, à un autre truc que je peux faire, que je peux te proposer sur la chaîne, d'accord? Mais ouais, septembre, pure muscu, que des vidéos muscu, à part si je trouve un autre concept avant, à part si après cette vidéo-là, bah, j'ai un commentaire qui me dit ouais, Dan, tu devrais faire ça, et que je kiffe et tout, on verra ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au niveau des YouTube Shorts, bah, je vais continuer à en faire, d'accord? C'est un peu comme les TikTok, les Reels sur Instagram, pour ceux qui utilisent Instagram. C'est un peu pareil, c'est un format court, c'est un format voilà, un peu chiant, mais pour rigoler et tout, ça peut être intéressant. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui aime bien me plaindre, qui aime bien rigoler aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant de parler de quelques sujets. Sachant que j'ai commencé le 12, les YouTube Shorts, j'essaie d'en faire du 12 jusqu'à là. Essayer bien évidemment, et j'ai gagné 100 abonnés, d'accord, grâce à ça. Donc je me dis, si j'exploite bien le truc, peut-être que je pourrais monter un peu plus, comme je t'expliquais dans la vidéo précédente. Donc voilà, je vais faire des YouTube Shorts, je vais en faire, et je vais voir où ça me mène aussi, d'accord. Donc voilà, je te dirai, je te ferai peut-être un bilan des YouTube Shorts. Pour peut-être ceux qui veulent se lancer sur YouTube ou qui veulent proposer des YouTube Shorts aussi, c'est intéressant. Pour ma part, c'était intéressant, mais je vais vraiment exploiter le truc, vraiment être productif, essayer d'être très productif dans les shorts pour voir où je peux aller dans ces conneries-là aussi. Bah sinon, voilà pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai kiffé faire ce mois productif avec toi sur YouTube, te proposer plein de concepts, plein de vidéos, des programmes. Assumer aussi ce que j'avais dit par rapport à la vidéo par jour. Je suis vraiment content d'avoir fait tout ça. Là, je vais écrire mes programmes de sport que je vais faire, aller à la salle, les faire, et puis te préparer le mois de septembre comme il se doit, parce que c'est important. En tout cas, mets un petit j'aime à cette vidéo. Si tu l'as aimé, mets un commentaire et j'attends tes idées, c'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Là, à partir du 1er septembre, si je ne me trompe pas, on va commencer l'Impact Week, d'accord? Donc, je t'invite à utiliser mon code DAM si tu as des choses à acheter sur MyProtein. C'est important, ok? Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.